Bote bande kobalandi ya les avertis nzamba pambola bino vous a connecté vous a branché na site nabiso lesavertis.net ou bien chaîne nabiso YouTube les avertis toujours continuer n'est-ce pas na message tout ça qui il y a donc comment détecter n'est-ce pas une secte tout ça qui en gros je pense que il y a eu aussi des réactions ya bandeko et nalobaki na sukanango que je reviendrai n'est-ce pas pour faire la suite au Isaaki comment quitter maintenant donc ces sectes et ça est très important au mekako ko comprendre yango bongo puisque lorsque nous donnons des messages na suka ebongi to pesa pe n'est-ce pas ba solution to pesa otobengaka donc way out dengini muta outi a outi place moko bo suka ou suka dengini ni je pense que mingi pe ce qui ba kangama na ba secte to nezali plus que ba mesana ndeti na ba to na lokola famille to mona ngomi na États-Unis mona ke ba tu penza ba komi soudena guru na bango tellement que ah pèse bango même poisson ba donc ba meli ba kufa ensemble donc ça dit comme na niveau moko bizarre oh que ce qui mutu azana grâce à nzambete akoki kotikala na biloko wana pa ki enfer puisque quand on osana kati ya secte ni koloba ki oza idolâtre au fait alors nako mekana kati émission d'abord ko pesa mo réponse na quelques réactions on a joie ki pour na première partie n'est-ce pas ya comment détecter donc une secte et avant que na kota n'est-ce pas na solution ou bien na pesa bino n'est-ce pas au nzambe a tienga na motema pona ko sunga ba obaza peut-être kati ba secte wana ou peut-être donc jusque là ba yeba kite ba na kati ba secte mais ba yeko mona ngo ba yeko yebango sikoyo et mais avant tout ko bon de la nakumba Yeshua Seigneur notre Dieu nous te bénissons pour le temps que tu as encore passé avec nous Yeshua nous voulons te dédier ces moments ces instants sois avec nous et dirige-nous par ton esprit en ton nom Yeshua nous avons ainsi prié amen voilà. Donc, comme dans l'introduction, les lettres qu'on parlait vraiment sur donc, comment, n'est-ce pas, donc, quitter hein, donc, ces sectes. Dans mon titre Zawana, comment faire pour quitter, n'est-ce pas, une secte ou bien la secte dans laquelle donc, tu te retrouves au Yozolandangai. Ou bien il y a des gens qui ont des familles, qui ont des milliers, qui peuvent être des sectes, qui peuvent avoir un message. Mais comme j'avais dit, d'abord, il y a des gens qui ont des résumés. Résumés par rapport à la partie où il y a des comment détecter donc une secte. Il y a des donc secte zali n'est pas appartenance né il y a batou na kati ya idéologie mo quelconque na kati ya philosophie ya mutu hein philosophie ya mutu kolandela n'est pas makanisi ya mutu wana hein ndenge to pesa ki ba exemple puis na kati ya secte to monaki que ba mutu oyo azoko dirige secte zaka plus na tendance à la gourou donc gourou ezali donc maître ou bien enseignant mutaza ko pesa bino n'est-ce pas ba message na ye hein Yeshua zo ba quelque part que ne vous faites pas appeler maître car vous n'avez qu'un seul maître ezali mokonkolo Christ mais ba tousiko oyo ba gourou wana ya ba secte ba sala ndenge nini il prend réellement la place du maître ba komaka bango ba maître ba komaka ya moni ba bengaka donc batou ba sambe na kati l'église wana ba assemblée to na ba secte ba benga ba adepte ça dit adepte ça mutaza ko landa n'est pas maître na ye et puis dès na lobika ka quelques réactions ya ki donc un de mes frères a tout nakinga mais pourquoi aussi té ba nini ba secte mususu té tel que ba branamiste tel que ba kimbangiste tout ça nyon sonne ali ba secte na lo daloba ki nazo pesa ba ce n'est pas que nous sommes en train de faire une liste pour na koluka non ça dit toute personne a yebi kaza ko se retrouver na katia organisation moko boye humaine ou ezali conduite par mutu
par rapport à ba idéologie, par rapport à ba enseignement. Si tu comme on a bato bongo ba utilisera mingi Bible, tu ba utilisera mingi ba syllabus, ba utilisera mingi ba brochure, ba utilisera mingi ba enseignement ya mutuana. Et pourtant Yeshua za ko bisala ba école na ekeno. Allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Alors, bien, il dit, enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. Ça dit, il faut tout être à maloba dans kolo. Na bandele sous na galati tango Paul aza koloba keno. Ce qui ange a outil kolo, to moutou sous soumie biso moko. To pesibino maloba, oza maloba yanzambete, aza la mi anathème. Pourquoi? Puisque moutou, oya zo wana message, oya li contraire à message ya Yeshua, moutou wana moya mona bokonza li kolo, et koza la te se ouzana kati, n'est-ce pas, il y a secte qui tourne place moko et vous allez vraiment pas si commun à que batu même ya mayele bazolanda batu ba komba batu. Par exemple, tantôt soit un frère et puis ngai attire attention ngai, je pense que j'ai déjà parlé même de ça. Pourquoi d'être ba branamiste par exemple bozo tia photo ya muta kufa na déjà botier photo na ye botier signe moko likolo on dirait que donc Saint-Esprit, mais pourtant to ebi que reflet à lumière ya nini ya caméra koko zwa mo et ça les forme na bitso ki bo pesa ngo histoire ndenini et puis bo juste sous photo ya mutu moko bo bengi Yesu botier wana vraiment et ça tant et puis les gens voient ça et puis ils prient baza ko bonde là, ça dit c'est pour voir que il y a pas l'esprit de Dieu, il y a pas l'esprit de Dieu. Bana nzambe, tu peux avoir des connaissances, il y a parole, tu peux avoir, je ne sais pas, la maîtrise même, il y a quoi expliquer dans la Bible. Mais ceux qui ont la hérésie, ceux qui ont la fausse enseignement, la fausse enseignement, aucun de tout quoi en enfer. Le diable connaît la parole aussi. C'est rien que tant que vous avez un enseignement, vous avez un branamiste, vous avez un message. Message, c'est-à-dire, pour la bango, ils sont tellement sûrs que. Mais je vous dis, malheureusement, puisque le lot, tout politique, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, par exemple, tout le monde, 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 tout le comment tu peux accepter ba bengayo branamiste kimbangiste naibite mormon ba bengayo témoin de Jéhovah ba bengo, c'est-à-dire on est ba bengayo chrétien tout court ba bengayo disciple ya Yeshua. L'apôtre Paul dira que soyez mes imitateurs asuka ki wana tabinini comme moi aussi je le suis pour Christ. Pourquoi? Puisque il n'y a pas, comment dirais-je, une autre personne, ou bien il n'y a pas un autre système autocollant en dehors, n'est-ce pas, un système où Yeshua tique la kibiso. Il y a un hasard que l'on va vraiment. Babilo konyon swana ezana na kombo ya batu ezali ba donc ba secte en fait tant le bakana église catholique tout monde na église catholique mutu na ngweza ka mutu, n'est-ce pas, ça dit mutu wana aza ko se succéder surtout bango basala ming ce qui a coup fini musu ba remplacer à part oyo allemand a déposé katikeli oyo a su ko argentin je pense, mais non mais aza ko mutu coup fini musu soyez remplacer place wana et na kati ya organigramme na bango basala oto bengaka usurpation bazwa apôtre Pierre ba tchaye lokola yende premier, n'est-ce pas, apôtre ou bien premier pape pona bango, ce qui est en fait donc une manière ya kobake bazaba ba fraudeur en fait, ça dit bazwi makambo yo ba meki ko pesa ngo connotation mususu po ngo ba récupérer, n'est-ce pas, makambo o ya nzambe. Gloire à Dieu Yeshua lobaki je ne vous laisserai pas seul ata ma nzambe bi ngo a moitié de ko soko za mo na nzambe banga nzambe osa ko méditer parole jum susu à partir ya Saint-Esprit nzambe mo ko éclairer yo. Alors ba secte za ba nyon so ya ba organisation to ba organisme a ba twa za ba église ba mukuna ya ni ba secte. Pourquoi mutu mo ko te a place on a te ceux qui yé moko mukuna, n'est-ce pas, à l'obité que mutu a te. Je vais vous dire quelque chose, esa histoire vraie en ga moko avant na longona kati ba assemblée ba yebi nazaki
que la mingi musique au baibi 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 très naza ko apprendre bino susu nana ko la musique sikoyo tant ngai avant na longora kata assemblée je n'ai pas quitté na assemblée puisque j'avais compris ou bien non il y avait des choses que je voyais on a comme comme nango que ça normal puisque to mesana ki na kati donc atmosphère wana. Alors qu'est-ce qui s'est passé na 2010 je pense tant on a accueilli Kinshasa na 2010 na idée nangai j'étais parti pour nanini ko sala n'est-ce pas ko enregistrer ba nini ba album nangai ko sala ba musique tout ça. Alors je suis passé na à travers nani grande sœur nangai à l'époque heureusement longwa pe kuna ana ko sambela kuna e pa nani mukuna wana. Alors ko sala que na sengi bango et ki na kende ko présenter n'est-ce pas nzembo nanga kuna. Alors tant na komi wana et je vois maintenant que baza kolinga même pas na loba même un mot ça dit pona bango bazo banga po ba yebi position na ngaité ke baby ki na ko loba lika moko baby si pe makamuna bango nyonso ça dit baza ko pisanga ke soki nzem soka olin ko yemba banda ma moko yemba loba lika moko te tu vois maintenant donc ba sec nde angwana ça dit balingi n'est-ce pas idéologie to philosophie na bango nde est primé pona bango zali baza ko préserver n'est-ce pas makambu na bango donc na zongi pona loba ke non toute personne azo sambela na kati église ya mutu et même baso ba pesa ngo combo armée ce qui du salut ba pesa ngo combo na ebité l'église des saints des derniers jours mais tant que zali autant histoire na ngo ke mutu moko mutu a créé ngo ezali secte pur et simple. Mais peut-être que je suis un novice, je suis un bandel, je suis un bino angote. Mais ce que je suis un peu plus de temps, je comprends que je suis un peu plus de temps. Pourquoi? Et ça, le coin de la franc-maçonnerie, non? Et ça, quand on y est, on a un niveau, donc il y a sous capot, côte, il faut se voir tant où, mais là, pourquoi? Puisque, et bon, il va checker, il va y aller bien pour accepter la carte à cercle. Bref, toute religion o ezali na mutu nango mutu ezali n'est-ce pas makambu ya nzambe te donc la lobby na bandeli ezala kimbangiste ezala branamiste ezala ba joviste ezala ba église des saints de dernier jour ba mormon o musina lobaki ya chine wana église soki de dieu tout puissant tout wana ezali ba organisation abattu to bakisi na ba ministère amen to bakisi ba philadelphie to bakisi ba nini nyonso wana omuni batu bazali boso nango so botala na kati ya organigramme bomuni ke mutu bomuta ali boso bako sabino te que non esa vision outil colo non bisognon sotali après ba apôtre nous sommes des disciples puisque Yeshua le baki que allez et faites de toutes les nations des disciples ngana ko sana organisation moko donc quelconque par rapport à histoire on a osa la makambu ya nzambe mais il faut ce ngana luka que ce qui soit faut na travailler nga moko ce comme ce qu'on a mo travailler na batu il faut na partager ba tâche ndenge moko ndenge ba apôtre ba sala ki ta ba saki na kati n'est pas chambre haute bien plutôt tant église banda ki na acte 2 et ça qui que ba kabola ki ba tâche pourquoi puisque ba linga ki te que mutu moko a primé azali kolo na bango mais après boyo komona que chaque mutu soit qui chemin na pourquoi puisque nzamba benga ka mutu moko ye moko nzamba bengi na nini ce que tant to sangana tu sangana ce que pour na nini attend que bana nzambe to sunga na petre yo zana likambonga na onga na zana ngote o pesinga inga na pesio stadi eza lokola to sa be change ya ba don pour na to croître spirituellement. Alors ce qui mouté comme ça que non moninga nzamba pesinga vision il y a pas une autre vision à part vision ya fête de toutes les nations des disciples au monde. Alors biso ce ba nation nous sommes des disciples so nzamba tena kati na yo a pesio domo ko pastoral évangélique c'est pas enseignant, prophète, tout ça, et ça lit, bah, dans, on s'en bat, pèse, pour l'édification, y'a église. Ce que l'église, en gros, et ça, kaka place, yo, sambe, la kate, ça, bah, tout, n'yons, on a mon kili, mobimba, bah, bénéficier, n'est-ce pas, yo, n'en bat, tiens, la kate, d'ailleurs. C'est pourquoi je rends encore grâce, n'en zambé, n'en a sali, bah, moyen, ou à Internet, ma gamon, n'a zo, l'oba, awa, et zo, komati, na États-Unis, zo, komati, na Afrique. Pourquoi? Puisque, bah, tout, n'yons, pas, li, bah, n'en zambé, bah, li, n'est-ce pas, qu'o bénéficier, n'en gros. Donc, ça, y'a, qui, man, a, ça, la, donc, mise au point par rapport à, comment dire, Makambo Tote qui dernièrement, c'est-à-dire première partie pour nous, si je n'ai pas cité des noms, il y a
y a ba secte mususu puisque c'était pas prévu que na cité ba combo il y a na mutu na cité qui mais là moi je pense que c'est ali clair puisque biso pour la vérité ata muta boinga ata muta ininga il y a même tant que na kacha ba assemblée wana on avait des gens qui nous entouraient mais tant que tu suis vraiment aligné à makambo Yeshua de vrai to tiki ba buzo banyon soana to tiki ba compromission soana ba mixu ba kimakima biso et c'est que le Seigneur est tellement merveilleux qu'est-ce qu'il fait il nous donne des nouvelles personnes c'est ça qui est vraiment très important alors to leki na voilà avant que na donc na ke na point mususu na ko mentionner le komoko boye j'ai un frère oyo benga kingai époque moko bona ebité tanini ce qui ajoute à la vidéo yo moko ko se reconnaître aza mutu ya donc église ya message c'est-à-dire branamiste frère wana benga ebisinga ke ye akola na kati ya brana donc ba ya ba branam wana bena brana ba branamiste tout ça et puis azo mona neti ke makambo biso toza kote ya azo ndima yango et ça fait maintenant que ça la moi conflit na kati ya mutu na ye. Alors à l'époque, nga na mega ko tuna na lobi bondeko. Comme message en colo est touché yo. Nga na ko tuna wa question moko. Entre Pierre, Jacques, Jean, nani susu, Paul, nani asa plus grand, so ba comparer bango na Branham, na Bandeli. Na tuna e question na lobi bo na Bandeli yango. Entre Paul, Jacques, Jean, nani azali munene par rapport à Branham. C'est-à-dire, si vous êtes Branham awa, vous êtes Pierre awa, nani azali selon yo munene. Ya lobi normal c'est à Pierre. Bon, tu sautes. Entre Paul na Branham, nani azali munene, abi Paul, tu sautes, tu continues. Nabi entre Jacques na Branham, nani azali munene, abi Jacques. Au moins, si on a un peu sur par exemple, pourquoi? Puisque la grande question est à savoir pourquoi Jacques a ça qui mouvement a été. Pourquoi Paul a ça qui mouvement a été. Pourquoi Pierre a ça qui mouvement a été. Puisque bango basaki ba mona ki Yesu. Donc Paul nanzela à Damas Yesu abimela ye boy abimela ye. Et puis quand on voit Abimele, ça dit ce n'est pas que Nakati il était en train de rêver. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc il faudrait comprendre ici que Makambo Nzambe, ce n'est pas ils sont pas de ils ont bah histoire que tu as lu Kobet Labino. Ce sont des choses vraies et réelles. Des choses vraies et réelles. Bato bacha tembe baye ko mona vraiment que Dieu a existé, il a je veux dire ces gens ont existé, ba trace ezali, c'est-à-dire c'est makambu ya ko loba loba boyete. C'est pour dire que tango siko yo Pierre azaki premier disciple o Yesu abengaki. Azaki na azaki rempli du Saint-Esprit. Alors ça appelle ba miracle na komba Yeshua. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait son mouvement à lui? Pourquoi est-ce que Pierre, à Salaki Angote, Jacques, à Salaki Angote, Jean, à Salaki Angote, Jean même qui se couchait, mais je veux dire qui posait sa tête sur donc, les cuisses de Yeshua, mais pourquoi il n'a pas pu faire un mouvement? Natuna et frère, on a bongo. Avant de calme, on a pas ses réponses dans le Bible. Tout le temps, on a bino. Acte des Apôtres, chapitre 14. Acte 14. Verset 13. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec de bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrit en sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous, apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous
tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Car Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, de ce qu'il est, en faisant du bien en vous, dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils par ces paroles empêcher la foule de leur offrir en sacrifice. Nous avons rapide, mais nous avons à partir du verset 1 pour comprendre. Alors, Barnabas n'a pas le bas à côté. Alors, tellement il s'est produit beaucoup de miracles et de prodiges. Bato, parce qu'il y en a sur quoi, comme on a tendance, n'est-ce pas, au coup, mis à bango. Offrande à prophète, offrande à enseignant. Au nom de Bosa, Boya, on a bloqué Nyon, sous Bosa, Nango, Ponankolo. Bato le kuta ba miyibi, voleur, voleur. Mais bato ba Paul, ils ont servi le Seigneur sans compromission. Et ba lingou kabole même pas la gloire, ils voulaient pas, en fait, être donc exalté, être adoré nengi bino, bon mouna kaba pasteur na bino wana. Moi je vu nani monsieur Olutumba Azali, leader spirituel, on appelle ça comme ça, numéro un, n'est-ce pas, il y a l'église Zambé Malam, il y a Angola. Il y a une image, il y a une image. Soit ça que les gens se mettent par terre, il y a une image. Et un enfant de Dieu comme ça, non. Moi, je suis la bonne côté. Il faut qu'agir le quoi, Barnabas na Paul. C'est ça un enfant de Dieu. Bref, c'est pour dire que la réaction, n'est-ce pas, de Paul et Barnabas, ils ont l'acceptation que non, ils étaient de vrais enfants de Dieu. Mais tandis que Oyo Bazali, n'est-ce pas, na ba courant na bango mususu, ba créer n'est-ce pas page mususu à part page ya Yeshua, ba bibengi ba branamiste, ba bibengi ba joviste, ba bibengi ba kimbangiste, Bazali banda n'est-ce pas, ya nzela to ya ligne ya Paul na Barnabas. Et pourtant, Paul na Barnabas, bangonde ba toma, bangonde to ali n'est-ce pas édifié par rapport au message na bango wana. Donc vous comprenez ici que il n'a tellement clair place wana na juku tamingi donc j'espère que toko zo matin malamu lelo pona ko conclure n'est-ce pas comment faire pour quitter donc une secte. Voilà. Deuxième réaction za ki ande komoko na terre na kombo nae a comme like ngai un message très long ndela lo ba toujours que non tolongola système ya tolongola système ya comment dire ya ba commentaire na YouTube ponani tolingi mutu yomoko sa l'effort au komape makambu puisque quand tu écris des choses par exemple na kati ya YouTube les gens qui sont contre toi ils vont vouloir réagir alors continue ni kota dit donc distraction alors ngai ou bien biso to préféré que est la bongo ça dit ce mutana besoin ya ko contacter biso numéro na biso yango yo o ezala eza affiché wana na email pesa place wana so moni ko za rapide ya comment email tu peux écrire un mail mais na cadre frère oyo à Komaki, n'est-ce pas, donc message na téléphone frère Moga France mais j'étais quand même son nom il a réagi par rapport à likambu ya on a pensé que exemple ya nini ya comment s'appelle combat spirituel. OK, il a pensé ami ko réagir par rapport à likambu ya combat spirituel donc pour dire dans le que message na bango zaki vraiment centré na ko diviser bato et puis ce n'est pas sont pas des histoires to mona ki ba famille divisée to mona ki mibale oyoke atiki moi si na est important à réfléchir to mona ki bana o ba koma ki donc ba faiseur to mona ki ça dit ezaki koma ki donc tellement mabe mingi pourquoi puisque et koma ki l'église meza ko kabola bato maintenant le frère alobi ke yepe il a passé aussi un temps na Église moko na Strasbourg wana tangiango donc amuna ki kuna na kati église wana qu'est-ce qu'il dit ici tu vas te reconnaître mon frère je pas cité ton nom pour ne pas te le problème peut-être na baton sous main c'est pour la gloire de Dieu que je fais ça alobaki alobinini
J'ai posé cette question aussi parce que je fréquentais une église évangélique à Strasbourg pendant 2 ans. Mais couper ça, ce qu'il a vécu là-bas. Donc, quand tu dis église ici, encore une fois, l'église, c'est l'appellation. Comme l'église, c'est toi, mon frère. C'est ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Alors, ça, c'est un bâtiment, tout. Et puis, qu'est-ce qu'il me dit? Il dit que là, j'avais constaté qu'il y avait de méfiance absolue entre donc les membres donc de cette assemblée que moi je dis cette secte. Il y avait même des ennemis, donc il y avait pas donc d'unité, et puis cela a déstabilisé la foi du frère. Frère, j'aimerais que tu m'appelles. Hein, fais un effort de m'appeler, on va essayer de parler de ça. Et pour n'avoir chuté, pour ne pas dire, pour n'avoir tant que mon le bas quitté. Et puis à l'objet qui est même, donc à partir il y a le quoi et les messages qui même foi naïe. Et alors, frère, appelle-moi ou bien écris-moi pour me dire quand tu auras le temps, comme ça tu reçois tant que solo là. Maintenant, par rapport à y a 6 femmes ici, il y a combat spirituel, à l'objet que, à l'égard, il n'y a pas expliquer. Mais alors, par rapport à la division, hein, par rapport à ce que si FMC a salaki qui a divisé partout. Maintenant, lui me donne, il me pose la question, là, mais quoi expliquer Matthieu 10, 34. Hein, Matthieu 10, 30, donc 34. Tout autant rapidement. Matthieu 10, 34. Matthieu chapitre 10, verset 34. Balobi Boye. C'est Yeshua qui parle. Hein? C'est Yeshua qui parle. Yeshua Balobi Boye. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Donc, tu continues en gros. Voilà, frère, écoute. Exclusivement pour la question, on a fait une vidéo. Quand on a fait une vidéo entière par rapport à la question, parce que je pense que Bat Mingi, la piège, ok? Je vais faire une vidéo entière par rapport à Matthieu chapitre 10, verset 34, tout juste après vidéo. C'est-à-dire, ce qu'on a dit vidéo, peut-être un jour après, on a la vidéo, ce qu'on a Matthieu, donc 10, verset donc 34. Voilà. Et alors, Isaac, ce qu'on a vraiment mis au point, Isaac, ma réaction par rapport à l'émission, tout ça, qui, donc, il y a comment détecter une secte. Maintenant, la deuxième et la dernière partie, j'espère que tu es au Mbangu. Comment faire maintenant pour quitter, n'est-ce pas, une secte? Comment faire? Et là, je vous ai parlé des choses. Maintenant, c'est quoi? Conclusion. Et c'est pourquoi ça, c'est pas une émission, mais c'est une conclusion de l'émission passée. Donc, vous avez pu me comment faire, n'est-ce pas, pour quitter une secte? Je vous ai expliqué, secte, exemple, belé. S'il y a encore des questions, écrivez-nous, nous allons revenir pour vous expliquer cela. Premier point, par la grâce de Dieu, puisque il n'y a pas. Moi, je n'aime pas. Hein, là, je vous dis vrai. Kolobakeno, voici les 3 points pour quitter les sectes. Ou bien voici les 4 points pour. Non. Selon ce que j'ai essayé de méditer par rapport à la grâce de Nzambe, je pense que, à mon humble avis, Makambo n'a pas Sabino Awa, ils ont peut-être solution à Makasi, mais si Dieu veut, à couper au Pesabino Makambo, ou bien s'il y a d'autres prédicateurs qui prêchent la vérité, par contre, continuez à couper Sabino Makambo. Mais moi, je vais vous dire ce que moi, je retenais par rapport à ce que le Seigneur m'a enseigné. Comment faire pour quitter une secte? 1. Accepter Christ Yeshua. Comment faire pour quitter une secte? 1.1, accepter Yeshua dans sa vie, comme le seul Seigneur et Sauveur de sa vie. Puisque lorsque tu vas accepter Yeshua, tu ne dépendras plus de la gourou. Ok? Ça dit que la gourou, c'est poser sur toi.
Mais ceux qui ont commis libre, dans la Bible, que si le Fils vous a affranchi, si le Fils vous a affranchi, vous deviendrez réellement libre. C'est-à-dire, d'abord, point 1, il faut que Yonozo Kanga Indeko, au semble qu'on a un ministère, amen, ministère de combat, ministère de ceux qui de victoire, ministère de maçons, ministère Soginin, au semble qu'on a un témoin de Jéhovah, au semble qu'on a un branam, au semble qu'on a un kimbangiste, ce kimbangisme, zoyo mokotan, na minute à sa koloba awa, loba boye que nzambe na lingi na ye ba yo, kolo yesu. Puisqu'il n'y a pas touche même à Rome ici. Ici, il n'y a pas touche même à Rome. Non. À Rome, il n'y a rien. Pour avoir la vie éternelle, il n'y a qu'un seul nom. Le nom de Yeshua HaMashiach. Jésus-Christ. Le nom Oezo Pesayo Bomoi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire, pour quitter, n'est-ce pas, de secte ou bien une secte, il faut d'abord, mettre ta vie entre, donc, l'inspection personnelle, voir si tu es vraiment enfant de Dieu, voir si tu as abandonné le péché, c'est-à-dire donner ta vie à Christ Yeshua, lui remettre tout. Et en ce moment, Romains 10, 9 nous dira, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Yeshua, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Yeshua, balobi ateke branam, balobi ateke kimbangu, balobi ateke mukuna, balobi ateke mutombo, balobi ateke nani susu, kizamina, balobi. Non. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Yeshua, Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Romains 10, 9. Et pour quoi ajouter peut-être verset Moussousou, Jean 1, 12, le Bible. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire, si tu crois au nom de Yeshua, Si tu crois que Dieu l'a ressuscité, si tu crois que c'est lui ton sauveur, tu deviendras enfant de Dieu. Or, pour hériter le royaume des cieux, il faut devenir enfant de Dieu. Donc, voici la condition. Et là, je vous dis des choses par rapport à comment faire pour quitter. Troisième verset, Romains 5, 8. Romains 5, 8 et le bi. Mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. Ah, c'est-à-dire, même temps qu'on a quand il y a une secte, Yeshua koufa ki pepo na yon deko. Ndeko nanga Alain, Yeshua koufa ki pepo na yon. Ma sœur Élise, Yeshua est mort aussi pour toi. Même lorsque tu étais de l'autre côté là. Mais lorsque maintenant, au komi mwana nzambe, tu vas bénéficier, n'est-ce pas, de toutes ces œuvres de la croix. Et je vous dis ces choses pour vous révolutionner spirituellement, puisque votre vie éternelle en dépend. Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore de pécheurs, Yeshua Christ est mort pour nous. Deuxième point, comment faire pour quitter une secte? Quel koyaki? Puisque tu ne dors pas là, tu rentres chez toi. Et après avoir écouté ces messages, ceux qui messages écoutés dans la kati, yandako panayo, tika nandako nayo, ne rentre plus là-bas. Et ceux qui ont bengue, ils disent que non, moi je ne veux plus rentrer puisque je veux avoir la relation personnelle avec Yeshua. N'aie pas peur. Puisque am nayo, ce n'est pas bango pour contrôler ngo. Peut-être que colline la kati ya Babylone ko wana. Oh non, biso to sala ka boete, to sala ka boete. Babino bato branam kalabwana ko nini ko ta la TVT. Moi je me rappelle. Bon maman ta la TVT. C'est que beau changer. Alors change de vrai, c'est-à-dire quitte là. Donc quitte là. 2 Corinthiens 6 pour appuyer.
Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Puisque lorsque tu es dans ces groupes-là, dans ces sectes-là, tu es en train, n'est-ce pas, d'adorer des dieux étrangers. Tu es en train, n'est-ce pas, d'adorer des hommes. Qu'y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel rapport a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. C'est-à-dire, en acceptant Yeshua, en devenant enfant de Dieu, tu deviens un temple de Dieu. Tu deviens le temple, pas un temple, tu deviens le temple de Dieu. Article défini, le temple de Dieu. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu va maintenant habiter en toi. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Ça dit, au comme moi, en Zambé, ceux qui n'est pas au quitté, n'a pas secte ou non. Alors, je continue toujours dans 2 Corinthiens 6, 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Dieu Tout-Puissant. Et puis, troisième point, comment faire pour quitter, après avoir quitté déjà de tes gens, puisque tu peux quitter physiquement, mais quand tu as monté ma kanisaka, ça arrive. Hein. Tout ça. Il faut alors avoir l'amour de Dieu. Aspirer à croître spirituellement. Méditer la parole chaque jour. Avoir un petit groupe de gens qui comprennent ces messages qu'ils sont en train de prêcher là. Puisque tu me posais la question à Okendewa, puis j'irai où? Mais là, je suis en train de te dire comment tu vas faire. Et tu verras que même dans ta chambre, comme Yeshua a dit, lorsque tu veux prier, rentre dans ta chambre, prie. Le Père Céleste qui est dans le lieu secret, à quoi qu'à prière na yo. Puisque lorsque le Seigneur est venu, il n'est pas venu pour montrer le monde directement. Il a d'abord travaillé avec un petit groupe. Alors, quand tu quittes de là, ne me pose pas la question à Kende Wapi. Moi, je n'ai pas une adresse à te donner, à part l'adresse de Yeshua. Si tu as des questions, par exemple, après avoir médité la parole et que tu ne comprends pas d'autre chose, cherche quelqu'un que tu penses qui est un enfant de Dieu. Asamoana nzambe o yebi ou bien biso comme les biso parce que non mon frère na tanga ki place boye na comprendre ngo bien te toko aider yo. Et la Bible dira dans l'Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 2 verset 19, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance. Ça dit il faut avoir l'amour de Dieu. Il faut aimer l'œuvre de Dieu. Il faut aimer donc les hommes, c'est-à-dire il faut prier pour ceux-là qui sont restés de l'autre côté. Il faut être donc fidèle, nakatama mwanzambe, et constant ou constante. Et c'est important pour la marche nayo. 2 Timothée 2 à l'obi na 22. Et puis tsalanini, fuis les passions de la jeunesse. Jeunesse, ça dépend, on peut appeler à 50 ans, mais aux gens, la passion, il faut fuir l'yango, il faut fuir ça. Recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ça dit, 2 Timothée 2, 22, le gars, ok. D'abord, il faut qu'on quitte ma paix, ma soumou. Il faut qu'on ait la justice, qu'on ait la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Pourquoi? Bah moi, je vais vous aider aussi quand nous avançons. Et puis, pour terminer, je pense que ce sont des points que j'avais préparés. Ceux qui me sont allés, tout le monde va dans la mission prochaine. Hébreux 10, 22, le dit, approchons-nous avec un cœur
sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure qui est sa parole. Que la parole du Seigneur puisse t'encadrer. Que la parole du Seigneur puisse t'aider à croître spirituellement. Que lui-même, Yeshua, puisse t'aider à développer ta relation avec lui. Je prie à ce que le ténèbre ne puisse plus régner dans ta vie. Et que la lumière puisse réellement luire dans ta vie. Et que tu puisses continuer à grandir, à faire des pas vers la perfection. Et que le Seigneur puisse t'aider à ne pas marcher sur place, mais à avancer d'un pas vers lui. Et que l'amour de Dieu puisse rentrer dans ton cœur, même des gens qui ne t'aiment pas, que tu puisses prier pour eux. Il ne faut pas avoir la haine, il ne faut pas avoir la mauvaise, il ne faut pas avoir le mauvais cœur. Il faut toujours prier même pour ceux-là qui te font du mal. Puisque Yeshua dit, vous, au contraire, ne maudissez pas, bénissez. Que le Seigneur vous bénisse pour le temps que nous avons passé ensemble et que ce message puisse réellement prendre place dans ton cœur et dans ta vie et que tous voient bah, résultat par rapport à marche. S'il y a des questions, faites-les comme d'habitude. Bokomi, email Zawana, téléphone Pézawana, Tozangate Kozonga vers vous. Soyez bénis au nom de Yeshua. Shalom. Si ce n'est qu'en toi, Elohim, El Hayi, le Dieu vivant, Yeshua, le Dieu qui sauve.